C'est fini, il n'y a plus d'espoir entre eux. Elle le sait, quand on aime une personne qui est hantée par son passé, l'avenir est risqué. Elle s'est déjà attachée, lui a donné plusieurs années. Elle n'arrive pas à le laisser. Pour elle, il est l'homme de sa vie. Il voit bien qu'elle est unie et qu'elle serait une épouse fantastique. Mais c'est avec une autre femme qu'autrefois il a eu la chimie. Inutile, tous ses échecs l'ont rendue fragile. Elle se dit qu'elle doit être incapable de focaliser un homme sur elle. Vu qu'elle n'est plus toute jeune, elle flippe. Et c'est à une liane cassée qu'elle s'agrippe. Dès qu'il la regarde, elle kiffe. Elle pense qu'il y a à prendre. Elle profite de l'instant. Les rôles seront inversés. Qui pourra la supporter? À son tour, elle aura trop de passé. Son cœur est infecté. Elle pense être coupable d'avoir tout fait foirer. Elle se met dans des états minables. Elle se sent indésirable. Et la terre tourne petite. Et ton prince arrivera très vite. Donc n'aie crainte de panique. Dans cette histoire, beaucoup la pratique. Oh, oh, tu mérites ta part de bonheur. Et il se trouve ailleurs. Ta vie sera meilleure si tu vains tes peurs. Oh, si tu vains tes peurs. Oh, oh, oh.